activité la pluie sous zone ça yo. Et c'est pour ça nous avons des populations qui étaient dans la zone ça aussi tout région sud là, plus particulièrement département sud avec Grand Ansan et département de l'ouest aussi priorité véatif par rapport avec activité la pluie que nous prévoit sous zone ça yo. Et la pluie ça yo a renforcé à partir de demain vendredi ya. Et c'est pour ça secrétariat permanent Cap Géris avec désastre de contrer avec de concert avec protection civile mandé tout le monde qui était dans la zone qui a inondé priorité véatif parce que l'appli cap tombé sous pays d'Haïti capable provoquer inondation et Jean Noël sous carte de saturation gain pile zone qui est en saturé département Santa Tibonite saturé et vers le sud jusqu'à 85% maintenant activité la pluie pourrait augmenter et zone ça susceptible pour capable inonder par rapport avec la pluie que nous prévoir aujourd'hui et demain pour capitale avec zone qui environne le capitale là aussi à lever avec un temps qui nuageux pendant journée et n'a gain activité convective en fin d'après-midi et en soirée la pluie avec l'orage ça que nous prévoir pour aujourd'hui en fin d'après-midi et en soirée sous capitale avec zone qui environne yo avec ça a modéré parfois faute sous plusieurs zones et Jean nous dit tout à l'heure toujours gain possibilité pour que département de l'ouest gagne inondation par rapport avec quantité qui est tombé déjà et sol là qui saturé et cela veut dire tout le monde qui là sous Port-au-Prince avec zone qui environne yo faut être véatif parce que la pluie cap tombé avec l'orage capable provoquer non seulement glissement inondation et éboulement sous plusieurs zones dans la capitale là faut être véatif parce que la pluie non seulement pour aujourd'hui mais a renforcé à partir de demain et température aujourd'hui la pluie jusqu'à 33 degrés et puis à la baisse en la nuit là c'est 23 degrés Celsius. Pour la mer elle non seulement agitée sous côte nord et côte sud pays d'Haïti par rapport avec activité la pluie que nous prévoit nous met des capitaines yo précaution avec prudence parce que non seulement visibilité a réduit sous côte nord mais la mer elle a pas agité à fort sous côte nord et côte sud mais golfe Aguila pas un top souci mais faut être véatif par rapport avec activité la pluie et l'orage. Et pour pas gastronomique, là, soyez la couchée jeudi à 6h35 et la levée demain matin à 6h41. Merci pour fidélité avec attention. N'a pas croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner et bonne fin de journée à vous même tout. Dans l'actualité pour jeudi, la Commission Justice et Sécurité publique, Sénat République, présenté mercredi 3 octobre le rapport sur le code procédé pénal. Le président de la Commission, sénateur Jean-Renel Senatus, a profité pour t'explication sur plusieurs changements qui sont faits en dans le document. Suivez un extrait dans le micro, Elisia Colo et Moïse Ulbridge. Après 17 mois de travail, la Commission est capable a produit rapport que l'a déposé officiellement devant le bureau sénatorial matin. Moi, je voulais remercier de manière toute particulière tout le monde de manière générale qui a contribué dans aider à réaliser le travail ça, dont le personnel du Sénat qui a parcouru tout le pays avec nous et même des voyages dans l'international pour nous être capables de préparer un travail qui répond à besoin société, un travail qui est purement haïtien. 32 nouvelles infractions, 32 nouveaux comportements, les gens à partir de nouveaux codes là, que vous avez arrêté ou qu'à payer amende ou qu'à aller en prison et à partir de quoi le débat sera ouvert à travers la République sur code pénal et code de procédure pénale là, dont votation a dû commencer d'ici la première semaine du mois de novembre si pas gagné un problème. De l'autre côté, des membres Commission Justice et Sécurité Sénat République, là, sénateur Jean-Marie Salomon et Ralph Fétière expliquaient l'objectif rapport à c'est porter précision sur une série de dispositions de loi dans l'ancien code pénal et procédé pénal. Là. Toujours dans le micro, Elisir Colo et Moïse Ulbridge. Procédure que nous avons adoptée pour nous capables d'examiner, nous capables de dire, eh bien, projet de loi qui portait sur le nouveau code pénal haïtien. D'abord, du point de vue de la psychologie. Là, nous parlons de psychologie, c'est-à-dire nous devons rendre le texte plus compréhensible possible, même pour le commun des mortels. C'est-à-dire n'importe monde n'est pas obligé de faire droit pour comprendre ce texte-là. Deuxièmement, nous devons moderniser le système pénal en Haïti.
Voilà pourquoi nous parlons de psychologie. Maintenant, du point de vue de la philosophie, eh bien, nous devons gagner un code pénal haïtien qui est adapté aux réalités haïtiennes. Pas oublier que les lois dérivent de la nature des choses. Donc, si on code pénal, il faut que le code pénal reflète toute réalité, toute mœurs, etc. Maintenant, nous avons surtout abordé la méthodologie. Nous étendons le maximum de monde possible et c'est des gens venus de différents secteurs et d'horizons divers à travers le projet de loi ça et nous avons consulté les organisations de femmes ou les organisations féministes, société civile là en général, les universités, les partis politiques et les organisations de défense des droits humains, les associations de magistrats, la Fédération des barreaux d'Haïti. Et nous avons même gagné des missions à l'étranger dans le cadre de ça que nous relayons, une étude de droit comparé. Et c'est comme ça que nous avons gagné pour nous examiner à la loupe code pénal béninois, code pénal belge, camerounais, code pénal français. Et ça te permet que eh bien, nous faisons en raison des faits de la globalisation. Nous avons regardé si le projet de loi ça te respecté la Constitution. Nous est que oui. Nous avons regardé si que l'IT vient respecter toute loi, toutes les conventions internationales que et nous avons signé en tant que pays. Nous est oui. Donc, recevable. L'autre nouvelle, secrétaire d'État, communication a renouvelé détermination gouvernement pour continuer bataille contre corruption et renforcer toute institution qui concernait la bataille. Ça. Eddie Jackson Alexis parlait comme ça pendant une conférence pour la presse, Libay, dans le local ministère communication, hier mercredi. Secrétaire d'État, communication a annoncé qu'il y a diverses dispositions qui prend dans le niveau gouvernement dans quatre dossiers Petro-Caribia. Nous invitons aussi un extrait dans le micro, Rachel Saint-Fort et Fresnel Toussaint. Chef gouvernement, tu es allé rencontrer le conseil de la Cour des comptes, l'a visité pour connaître dans quel état la Cour a fonctionné. La Cour des comptes, c'est un pilier dans le système administratif PIA, puisque c'est lui-même qui l'a pour contrôler toutes les dépenses qu'a faites dans l'État. C'est un tribunal lié tout, donc le tribunal administratif. Dans la discussion avec les conseillers de la Cour, ils ont échangé sur le problème la Cour a confronté, le problème que les conseillers ont rencontré dans le cadre de travail, et ils ont parlé tout sur le dossier Petro-Caribe. Dans ce sens-là, chef gouvernement promet la Cour des comptes pour le bal tout appui technique et financier, tout ça a demandé pour que vous continuez à faire travail, notamment travail sur le dossier Petro-Caribea. Dans la fin de semaine passée, le Premier ministre Jean Rissien a engagé des discussions avec l'autre institution qui est toujours concernant le phénomène de corruption dans le pays. Je parle de ULCC, UCREF, IGF, qui c'est l'inspection générale des finances. Dans la rencontre liée avec toute institution SAIO, il est question pour que bon état des lieux de fonctionnement institution SAIO, pour qu'on ait qui appuie l'État, le gouvernement, capable de bailler, pour qu'il renforce le fonctionnement institution SAIO. Le Premier ministre est préoccupé par l'écho qui gagne suite à la demande de reddition de comptes que la population a fait aujourd'hui à travers une question principale qui c'est côté COP Petro-Caribea. Il y a au moins trois dispositions qui prend dans le niveau exécutif. 1. Le Premier ministre a écrit toute compagnie qui concernait, qui a gagné un contrat dans le cadre du programme Petro-Caribea pour être capable de faire une explication sur la façon dont il a utilisé l'argent qui était dans la main. Déjà, il y a une compagnie qui répond. Donc, qui répond aux correspondances nous adressées. Il y a l'autre qui m'a dit rencontre. Et il y a tout qui a annoncé qu'il a compilé le dossier pour être capable de présenter au chef gouvernement un rapport par rapport à la correspondance qu'il a adressée.
gouvernement prend disposition, deuxième point, deuxième décision, pour renforcer sécurité juge instruction qui travaille sur le dossier Petro-Caribia et puis mettre plus de moyens à la disposition pour en rien pas bloquer dans l'enquête judiciaire. Troisième disposition, ministère planification écrit toute institution de l'État qui a exécuté projet ou encore t'a signé un contrat avec entreprise qui a un contrat dans Meyo. Donc tout projet qui a gagné sous Petro-Caribe pour être capable de partager information avec le ministère planification. C'est une façon pour le ministère de ramasser toute information pour lui-même. Nous venons un dossier complet sur la façon dont l'argent Petro-Caribe a été utilisé. Comme ça, pour être capable de communiquer avec la population. Et il y a un pile dans l'institution publique qui déjà voit une réponse par le ministère de la planification. Moi, je voulais profiter de l'espace ça pour que notre gouvernement nous réaffirme volonté nous gagner et détermination pour nous continuer à gommer contre la corruption, nous renforcer toute institution dans le pays qui l'a pour ça, donc qui concerne la bataille contre la corruption. C'est mercredi 3 octobre là, Institut Bien-être Social et Recherche clôturé atelier 3 jours travail, l'étape organisée sous adoption et protection de monde qui en situation difficile. Directrice générale IBESE, la Ariel Jotiville-Drouin, fait qu'on est l'insatisfait pour réalisation atelier formation ça qui permet de faire plusieurs recommandations. Suivez un reportage à collaborateur nous, c'est Kwapaki et de donner l'idée. Après 3 jours atelier travail ça qui déroulait sous adoption à protection timoun qui dans situation faiblesse avec participation cadre dans IBES et puis acteur qui impliqué dans question timoun, directrice générale IBES là Ariel Gentil-Vildouin dit gagner plusieurs recommandations qui faites dans l'idée pour mettre contrôle dans pratique adoption. Recommandation premièrement c'est ce renforcement de coopération parce qu'on a une génération gros faiblesse côté ou après que autorité judiciaire et autorité administrative pas gagne pilier entre nous. Et ou après que substitut commissaire du gouvernement est là, juge pour enfant est là, et me penser que vous comprenez nécessité pour yo renforcer lien, hein? Et ceci même avec vos représentants de maison d'enfants qui étaient là, yo, pour yo comprendre que c'est yon le premier acteur que yon est dans la protection Timoun, puisque c'est yon qui recevoir Timoun, non? Malgré que je toujours dit que tout Timoun t'a supposé vivre dans la famille, tout Timoun t'a supposé vivre dans la famille, pas yo. Mais malheureusement, Timoun haïtien, tout pas un bonheur ça. Donc comme pas de bonheur, ça nous supposons travailler ensemble pour nous joindre des alternatives de remplacement. Institut Bien-être Social et Recherche prend engagement pour renforcer la coopération avec Ofelina, centre d'accueil dans le pays d'Haïti, d'après DG Iberstan, qui dit plus loin, pour Anessa, il y aurait censé 400 adoptions. Et que nous prenons engagement pour nous travailler dans un esprit de co-responsabilité. Ça veut dire que chacun a une mission, chaque monde a un rôle, yo, et nous décider que coopération est supposé renforcer pour assurer nous vraiment que l'adoption qu'a vini aux institutions éthiques humaines dans le respect des droits de l'enfant. Et je pourrais dire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Formation ça qui était démarrée lundi 1er octobre 2018 là, te permet de concerner, de réfléchir sur différents thèmes, tant que trafic timoun dans adoption, qualité rapport enquête sociale sur adoption timoun qui n'a situation faiblesse. Magistrat principal Commune Taba by explication mercredi 3 octobre 2018 là sous acte violence l'issibi dans la nuit lundi 1er octobre là dans mes conjoints li Yves Léonard magistrat ni Simon mandé justice ak réparation Louis Jean-Louis Michel Joseph pour un reportage. Jodi moi prend courage moi à deux bras si ça te fait jodi il va chanter encore. C'est avec phrase ça, magistrat principal mérite à Bahane Simon qui était accompagné avec plusieurs autres magistrats. Te prend la parole devant la presse avec une voix bien triste pour détailler ce qui passait là. Si magistrat reconnaît que c'est pas la première fois, il s'est bise avec violence à yo, il encourage l'autre victime pareil, il sortit dans le silence, porter plainte et puis dénoncer auteurs avec violence à yo. Octobre 2015, rapport là, il est clair que Major Basil est clair sous lui. Il m'a demandé pour le baillon. Rapport de 16 personnes qui sont en administration de 2015, octobre 2015 à janvier 2016. Nous connaissons que en janvier 2016, octobre, pas de magistrat déjà. Ce qui veut dire que ça n'a aucun rapport de loin ou de près avec moi. Mais étant donné que c'est continuité de l'État, si que l'information est là, moi-même comme l'État,
dans l'administration publique, moi t'as supposé joindre. Mais nous connaissons qui j'en pays d'Haïti, dans la conjoncture électorale qui j'en s'accompagne, et majorité dans la mairie, dans le pays, toujours subi violence, toujours subi acte de vandalisme, leur gagné période électorale. Et bien, ces mêmes gens, la mairie Tabar, pas épargné de ça. Moi, pas de joindre document, malheureusement, que vous avez demandé des documents qui ont rapport avec l'administration antérieure. Le major Basile, dans quatre travail, effectivement, il est obligé de voir dans le parquet, quoi des bouquets, pour le commissaire du gouvernement, qui c'est Yvon Jean-Noël, pour être capable de finaliser le dossier. Alors, il était fait une première convocation pour être invité dans le tribunal. Et c'est alors, moi, j'ai dit, Léonard Dim, que l'a traité le dossier ensemble avec un commissaire, parce que ses amis liés, l'a traité dans les polices ensemble avec lui. Moi, j'ai dit non. Le dossier n'est pas concerné. Et même s'il était concerné, moi, je crois que justice supposée être faite. Si il y a un bagage qui était mal passé sous l'administration antérieure, là, il y a des employés qui étaient victimes, moi, mieux placés pour aider à enquête, ça aboutit à quelque chose pour. Employé ça au capable de faire une justice. Il dit que faut que moi chita avec le commissaire du gouvernement, il t'a remis négocier on va ensemble avec moi. Moi dit moi pas dans négociation. D'ailleurs, il y a un conflit d'intérêt dans ça. Si un commissaire il bon fait une enquête, UTC c'est bon pour enquête, soit enquête sérieuse lié. Pas de raison pour venir chita dans hôtel là, comme c'est dans hôtel là, c'est censé loger, li manger là, dormir là, plus machine mairie c'est dans même lié. Moi dit là, il peut aller. Et puis, le Livin parlait avec moi de ça, moi dit, moi pas dans mascarade encore. Et puis, il dit, moi le fort qui était fréquent. Et puis, il kembe dans la gorge, là. Et puis, il kembe, il pousse, il tout fait. Et puis, la bande en pile calotte dans la figure, dans toute tête, coup de poing. Et c'est là, je senti que vraiment, moi pral mourir vraiment. Et puis, pendant la bande calotte, coup de poing, bon, toujours bon Dieu pour innocent. Et puis, moi modèle. Dans pousse tout le temps m'a mordé la pesé avec force m'a mordé la avec force t'a pesé avec force et puis bon Dieu pour moi et puis il lâché et puis pendant lâché c'est là ça il campé devant porte là pour me pas déplacer. Magistrat Nissimon qui t'a montré divers côtés les recevoir coup dans main Yves Léonard mandé la justice prend toutes mesures pour joindre et puis punir coupable là. Mais je voulais aujourd'hui en moi là bien vivant pour capable témoigner moi-même. C'est pas la question, un et l'autre, c'est dans quatre fonctions. Et bon Dieu protéger, bon Dieu accompagner, qui fait que moi là, moi campé pour me défendre tête. Et pour toute République là, qu'on est nationale, internationale, qu'on est que c'est dans quatre fonctions que moi été agressé. Président Fondation Jéclairéa, Marie-Hélène Gilles, et président FENAFAMNAN, magistrat Rosemila Petit Frère, qui était accompagné victime nan, en signe de solidarité, souhaitait justice faite avant longtemps dans quatre dossiers. Ça. Nous croyons que ça passe, à pas de recommencer encore. Donc, nous-mêmes, comme organisme de défense des droits humains, Fondation Jéclairéa, a campé là, ensemble avec lui, pour nous capables de batailler jusqu'à ce que les jeunes justice à réparation. Revendication n'a pas changé, c'est même revendication avec magistrat Nice. Nous venons là pour nous faire solidarité ensemble avec lui. Et nous allons accompagner le Kounia pour l'année dans le parquet ensemble avec lui pour déposer l'autre plainte, parce que lui déposer plainte depuis hier dans le commissariat Tabalan. Et Kounia là encore, ensemble avec lui, continuer à accompagner pour qu'il soit capable de jeune justice, mettre action publique en mouvement contre M. Yves Léonard et encore commissaire là lui-même qui a utilisé machine mairie, qui est entré dans la connivence ensemble avec M. Yves Léonard, qui a demandé pour négocier à pas, pour que ministre justice en tout cas prenne disposition. C'est petit commissaire gouvernement tribunal première instance quoi de Boukéa et de Guillaume déjà émettre un mandat d'amener contre Yves Léonard et puis écrit immigration pour empêcher le quitter pays. Ministère Justice et Sécurité publique by commissaire gouvernement Kwa de Boukéa met Yvon Jean-Noël yon lettre mise en disponibilité. Lettre sa qui effectif mercredi 3 octobre 2018 la rentre dans cadre enquête ministère tamé dans cadre dossier qui mette face à face magistrat Tabani Simon ak patneli Yves Léonard. L'autre nouvelle, secrétaire d'État communication Eddy Jackson Alexis condamné violence qui fait sous magistrat tabac pendant l'y préciser pas gain concordaille ak autorité pour monde qui enfreint la loi. Dans ça qui gain pour ak agression qui fait sous équipe Vision 2000 là, secrétaire d'État communication recommandé yon enquête pour fixer responsabilité yo et puis sanctionner si nécessaire monde qui doit sanctionner. Nous invitons suivre. Par rapport à image nous yo et déclaration, il rapporte que magistrat Tabar l'a fait, nous condamnons
violence, quel que soit côté sorti, sous quel que soit monde, en particulier sous femme dans la communauté, mais surtout sous une autorité publique, une autorité locale, donc son autorité établie. Nous condamnons agression Anne, alors ni Simon, ni dit Anne, bon, tout pour nous écouter la puissance sorti, subi par conjoint lui, ça semblait passer avant-hier au soir, dans l'espace que vous possédez vous-même. Gouvernement condamné sa crivé. Ministère conditions féminines, il y a une note officielle qui fait sortir. Nous avons joué dans la minute cap suivie sur l'agression. En ce qui a trait à la question de justice, pas de proximité avec l'autorité, l'État enfreint la loi. Pas de proximité avec l'autorité. Donc, quel que soit mon nom, de bon enfreint la loi, citoyen, il décide de poursuivre vous. L'État tout capable de saisir d'office par rapport à l'agression. Quel que soit mon nom, de bon enfreint la loi, pas de proximité avec l'autorité. Moi, je voulais profiter de l'occasion, dans nos PAM, avec nos gouvernements, pour nous condamner. Agression qui fait sur une équipe reportage Radio Vision 2000 hier mardi 2 octobre dans la direction immigration. Nous exprimons solidarité nous à confrères qui victimes. Nous recommandons une enquête administrative avec une enquête judiciaire sur dossier ça, une façon pour que comme il y a des gens qui victimes, il y a une agression qui fait sur le monde, faut qu'il y ait une enquête judiciaire qui fait sur dossier ça, une façon pour être capable de rétablir la vérité, donc qui s'est passé réellement. Deuxièmement, fixer responsabilité chaque monde dans le dossier ça, et puis sanctionner si nécessaire tout le monde qui concerné. Dans la même occasion, sur les réseaux sociaux, dans la radio, nous au courant, ancien ministre Guilherme Sedelva, zami nous, confrère nous, qui était envoyé dans le ministère là, te gen bouche l'ouvri toujours dans l'immigration, dans la même journée hier là. Nous souhaitons enquête là toucher point ça à tout. Nous connaissons tout, il y a un qui va le dire, secrétaire d'État a été promettre pour chercher information sur le dossier Vladimir Gagnon. Je rencontre des CPJ, de déplacer mal côté. En créole, nous dit, promesse et dette. Mais j'avais une dette envers vous, je l'ai honoré. Les jusqu'à présent, résultat test ADN qui était fait sur mon sous-vêtement, chapeau, il était retrouvé dans Grand Avenue. Résultat pour qu'on vienne sur les États-Unis. Donc, ni même ni nous-mêmes, dans tout pays, il y a même tout dans des CPJ, on a l'attente. Donc, nous avons toujours, mais nous te promettons ma bonne information, c'est ça me joigne, et ne pas oublier que il y a deux monde qui déjà arrêté dans dossier ça qui est actuellement en prison et dossier a li dans cabinet d'instruction. N'après un coup de pause, restez branché, n'a tourné. Dans la page internationale, là, condamné pour crime contre l'humanité dans l'année 2001, Alberto Fujimori a bénéficié de grâce présidentielle à cause de problèmes de santé après 12 années de prison. Annulation ça a soulevé collé avec indignation petite fille Keiko qui déclarait ça bail la peine les un juge retiré liberté papale sans le pawe pour qui raison. D'après juge là, Alberto Fujimori pas gain droit à qui un pardon humanitaire. Alberto Fujimori péruvien yo bail non El Chino qui voulait dire chinois. Président entre 1990 et 2000. D'après ancien président, Pigo héritage li, c'est parce que Souraili, Pérou, te yon nan pays leader dans Amérique latine nan, et puis il te retiré nan guérilla. Cependant, l'histoire qui me compte li en pile disparition, assassinat et maltraitance, ça qui te la cause, plusieurs condamnation nationale et internationale. Depuis annonce annulation grâce li te bénéficia à mercredi 3 octobre là, Alberto Fujimori retrouvé sous cabane l'hôpital. À cause d'un tension qui descend en pile et piquel cap bat fort. Dans le sport, n'a pas le football, premier journée championnat national football féminin, a démarré jeudi à un stade Silvio Cator après cérémonie lancement qui était faite à mercredi 3 octobre 2018 là, dans l'hôtel Marriott. À l'étranger, Ligue des Champions, équipe Barcelone bat Tottenham 4-2, avec un bon Lionel Messi qui marquait 2 buts hier mercredi dans l'occasion de deuxième journée Ligue des Champions. Nous invitons à suivre. Championnat national football féminin a démarré jeudi 4 octobre 2018 là, exactement un an, 3 mois depuis finale AS Tigres Anacaona Leogadlan 3-1 3 juillet 2017 dans le stade là.
Cérémonie officielle pour lancer seule compétition pays à la Camédamio, te réalisé à mercredi dans l'hôtel Marriott en présence député Garibodo, président chambre député A qui est sponsor officiel championnat, d'ailleurs capoté non li soit Coupe du Parlement, en présence tout responsable Fédération Haïtienne de Football parmi eux docteur Yves Jamba à Calo Maslin, représentant différents clubs yo à capitaine équipe yo. Son acte spontané qui menait cérémonie ça là je dis. Donc nous avons gardé ensemble de promesses qui t'a faites sur les réseaux sociaux. Donc par rapport avec exploit, on dit exploit, donc exploit c'est pas en règle. Donc on a dit c'est vrai, il y a un talent, mais comme ça tout, nous n'avons pas de qualifier. Donc son exploit nous fait notre talent en Coupe du Monde 74 à Munich. Donc jusqu'à présent, beaucoup de gens qui ont tourné. Donc ça, son exploit. Donc dans ce sens-là, nous avons rencontré avec le président de la fédération et puis nous avons parlé. Dans ce sens-là, moi j'ai demandé. Secrétaire général, chambre députée, est-ce qu'il y a une possibilité? Il dit oui. Donc, nous parlons, nous disons, bon, à travers le bureau, chambre députée, président de la commission sport, c'est Adrien qui va là. Donc, nous parlons avec monsieur, nous disons, mais qui côté, nous avons engagé le Parlement, nous avons engagé la chambre députée. Malgré des consultations, malgré l'article 118-8 de la Constitution, qui dit que le Parlement ne peut être ni dissous, ni ajourné. Donc, tout autant que le Parlement dans le pays, je pense que c'est l'initiative ça, l'autre législation qui a fini à continuer à supporter. Donc, dans ce sens-là, je pense que nous lancer la Coupe du Parlement pour la postérité. Responsable, tu as profité de l'occasion pour dévoiler le calendrier championnat national de football féminin qui a réuni 21 équipes réparties dans 3 groupes, l'Ouest, Sud et Nord. Après-midi à 4h dans le stade Vivocator, AS Tigres a rencontré Arcadien Football Club. Tout de suite après, Amazon a mesuré la Valentine. Voilà, amis téléspectateurs, journal arrivé dans Boutli. Nous remercions pour attention et fidélité. Restez sous TNH pour reste programmation. Bon après-midi tout le monde.